Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est les Flambus Soviétiques. On est de retour pour la suite du Let's Play de Sly Cooper. Sly Cooper qui fait la toupie, enfin Sly 2 plus précisément, hein, qui est simplement bande de voleurs, hein, voilà, hein, le titre officiel du jeu. Et on va faire les deux missions, tout simplement celui-là et celui-là. Et si on a le temps, ça dure pas trop longtemps, on fera la suite. C'est-à-dire que je pense qu'on finira l'épisode 2, soit maintenant, soit après. Donc du coup, ça a l'air lourde. Et si je passais par ce trou sous les marches pour trouver un autre accès? Eh oui. Ah d'accord, ok, on va passer sous les marches. Ah. Ah merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Petite erreur de ma part. Ah mais non, mais faut repartir du coup. Ouais, mais du coup faut repartir. Hein. S'il n'y a pas de rat, ça sert à rien de rester. Waouh, c'est vrai qu'il a l'air flippé. Bon boulot, Sly. Mais c'est pas fini. Fais tomber ah, le joyau. Faut faire tomber le joyau. Comme ils sont fermement fixés, tu devras taper plusieurs fois avec ta serpe. Oh là, je sens que c'est de guerre. Pour grimper sur les éléphants, ça devrait le faire sans problème. Ouh, je sens que ça va être compliqué. Attendez, il faut monter. Et il a disparu l'éléphant. Il a disparu. Hop là, voilà. Des joyaux pour la scie. Ah, c'est pour la scie. On va faire une scie en truc d'éléphant. Ok, quand je me suis fait écraser comme une merde. Ah, parce qu'en plus il me frappe. Oh là là là. Quand je vous disais que ça allait être galère. Il me tape avec sa trompe. Oui, te dire, il a une grande lance, MDR, allez, hop, c'est parti. On passe par là discrètement. Hop, hop, on monte là. Hop, hop, regarde la technique, la technique. Oh là là, la technique. Hop, on saute là. Bon bah écoute, j'ai le joyau, qu'est-ce que tu vas faire, fils de pute? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le finir maintenant. Je pense dans cet épisode. Ah non, mais lui normalement il va pas me frapper lui. Attends, c'est le premier joyau que je lui enlève. Mais je me fais niquer. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie les mecs. 4 joyaux sur 6. Non mais j'ai plus de vie déjà. Là, ça va être compliqué. Je t'avoue que là on n'est pas serein. Surtout quand on a plus de vie. Oh là là, oh là, la maîtrise du gameplay.
moment il va revenir parce que du coup à part faire le tour voilà ça sert pas grand. Merde putain je suis tombé. Ah je suis tombé, dégoûté. Je suis dégoûté, je viens de tomber comme une grosse méaldasse. Ouais mais il va. Putain mais il va trop vite frère. Putain faut que je prenne de l'avance du coup. Ah attendez. Oh oui. Non même pas. Ouais, d'accord, il s'est cassé. Il s'est cassé. Comme vous avez vu, j'ai pas mal de sous-sous, hein. J'en ai 2247, hein, voilà. Dont un trophée en or était quand même d'avoir les. L'un des trophées en or de. De slice c'était quand même d'en avoir. Oh là là, putain je suis mauvais. Putain ouais, j'y arrive pas hein. Je vous avoue que là c'est compliqué. Quand on est une grosse merde. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais tout simplement les trucs en or. En or. Oui, les pièces. Ah, attendez. Oh, attendez, on est bien là. Oui. Non. Non. Non, j'avais trouvé le bon spot. Bon, attends, attendez. On va essayer. Hop. Voilà. Ça y est, on a réussi. Ouais, je disais quand même il y a un trophée en or pour avoir les. Juste 1500 pièces quoi, abusé. Attends, ça rentre dans cette porte? Ah ok, il rentre dans cette porte. Ces joyaux vont m'aider à fabriquer une sirène. Je savais pas. Pour le cambriolage. Le cambriolage. Je veux pas comme Bentley. Putain, Bentley, la VF de Bentley, c'est des barres, c'est des barres. Le cambriolage. Je parle comme ça. Je suis Bentley. Non mais je t'avoue que là c'est chaud quoi, il parle tout le temps comme ça. C'est-à-dire c'est chaud pour Bentley quoi. Hop là. Maintenant faut prendre Bentley forcément parce qu'il y a une mission avec le petit Bentlou. Hop là. On va voir s'il n'y a pas des trucs à acheter dans Voleur Net. Ah j'avais un truc à revendre mais écoutez on va le revendre, voilà on est à 2500. Attention, Bentley attaque. Bentley la tortue. Attends, c'est où la mission de Bentley? Elle est là-bas. Oh là, on se fait une action. Allez, Bentley, la danse de Bentley. Ok. Discrétion Bentley 0. Attends, faut monter là-haut. On peut monter là-haut avec Bentley? Ah oui, on peut monter là-haut avec Bentley. Bah, m'en bat les couilles. Hop, m'en bat les couilles. Hop là, voilà. Alors, c'est quoi la mission avec Bentley? Je suis en place avec l'élu commandé. Oh non, putain. Oh oui, j'avais oublié qu'on allait utiliser l'hélico commandé. Putain, cette merde. Oh là 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 là. C'est vraiment le pire gameplay de Slice. Le pied d'hélico, c'est pas donné. Attention, ennemi en vue. Hé, Bentley, sers-toi du joystick analogique gauche pour diriger l'hélico. Alors, attendez. Et appuie sur croix pour lâcher des bombes. Si tu perds de vue la Jeep, je projetterai une flèche holographique. Suis-la et passe à l'action. Hop, hop, hop. Où est-ce de... Elle lance des missiles. What? Vire afin de les éviter. Comment je fais moi ça? Ah c'est comme ça, ouais de fuck. Ouh allez. Oh putain mais prends tes. Hop là, l'esquive. Ok, d'accord. Faut se référer à la... Putain.
Ah putain, quand je vous ai dit que le maniement de ce... de cet hélico, c'était vraiment de la merde. En plus, il faut esquiver les missiles. Je t'avoue, je te confirme. Oulala. Oulala, oulala, oulala. Oh putain, on a réussi. Ouh. Le ciel est maintenant complètement dégagé. Tintin. Ouais, finalement, je pense qu'on va le faire en 30 minutes, hein, écoutez. Si après, c'est directement le la mission finale. Tam, tam, ta-da. Ok, synchronisation des montres. Opération. Nous allons devoir être ultra précis sur Hippodrop. Ce... Et voilà le plan. Je commencerai en détruisant le pont principal du palais. Ce qui bloquera les renforts venant du pavillon des invités et attirer les gardes qui surveillent les ailes de Clockwork dans la salle de bal. Sly invitera alors Carmelita à danser un tango, et tandis que la foule sera captivée par cette danse, Murray pourra descendre vers la statue. T'as comment on l'utilise de ouf, quoi. Une fois en place, ah, il coupera les ailes et remontera vers le treuil. Bah, contre les voleurs, hein, on... Murray, quand on veut quelque chose, on l'a par tous les moyens. Hein. Je couvrirai sa fuite avec l'hélicommandé. Une fois le pont-levis passé, c'est gagné. C'est gagné. Vous avez vu, putain. Ah mais j'en peux plus, non mais la VF de Bentley quoi. Allô, je m'appelle Bentley, je parle comme ça. Ah mais c'est avec Bentley qu'il faut aller. Ah oui parce que c'est Bentley qui commence. Attends, quand tu sais pas prendre lequel personnage, allez vas-y Bentley, on y va, on y croit. Ta force surhumaine. Attends, j'ai acheté des trucs pour Bentley aussi je crois. Ah ça, ça permet pour faire rétrécir les gens je crois, attendez. Que je teste un petit peu. Parce qu'à l'époque c'était sur une bombe et du coup... Ah non, ou alors il faut le frapper. Ah je crois que c'est en le frappant. Attendez, on va essayer sur un... Non, pas sur ça. Ah, putain, on s'est fait... On s'est fait niquer. On va essayer sur lui. Non, on va pas essayer. Vous savez quoi, on va pas essayer, on a pas le temps pour ça. Hop là. C'est parti pour l'opération. Hippo machin. T'es toujours sûr de pouvoir démolir ce truc? Ouais. Pas besoin d'avoir des années d'études pour faire exploser un pont. Je vais d'abord m'attaquer au tasseau inférieur. Quand la structure sera branlante, les bagues de retenue des tasseaux supérieurs céderont. Et je pourrai alors bombarder les tasseaux supérieurs, faisant écrouler l'ensemble. Lol, qui a compris? Personne, mais bon, c'est pas grave. En gros, faut poser des bombes, voilà, voilà, voilà. On est... Putain, putain, j'ai envie de te dire, t'as l'impression... T'as l'impression de faire... T'as l'impression de faire papy fait de la résistance. Oh oh, le pont commence à s'effondrer. Attention aux pierres qui tombent. Faudrait pas que... Plus que deux tasseaux inférieurs. Voilà pour la partie du bas. Voilà, heureusement qu'il y a le truc pour monter parce que sinon... Ah, y'a des trucs qui nous tombent sur la gueule aussi, ça... Ah, j'ai abusé. Hop là, on finira par celui... Encore trois. Ah, merde. Plus que deux tasseaux. Non, je suis tombé. Est-ce que je meurs? Est-ce que Bentley meurt dans le truc? Ah non, ça va. Fou, j'ai eu peur. On a détruit un pont, nous sommes trop forts! Ta la la la. Moi je dis Bentley! Détruit. Prenez autant de gardes qu'il vous faut et allez-y.
Ouais, le pont est détruit et nous on est en mode. T'es en position? Ouais, oh putain, c'est vrai, c'est. Attends, faut que je me remette en position, comme il dit, parce que là ça va être le moment QTE. Comme on dit, QTE. De Carmelita et des autres. Toi, tu t'occupes de la statue. Phase 2 Carmelita. Carmelita, trop sexy dans sa robe. Fox, je crois que vous me devez une danse. Ah, robe trop sexy. Vous voyez parti. J'attendais le moment idéal. Sexy robe. Oh là là, attention, là alors c'est Carmelita. T'as envie de te dire, tu reconnais pas Sly Cooper, c'est chou quoi. On se concentre, on se concentre. Oh, je t'avoue, je me rappelais plus des touches là, attendez. Alors, cercle, triangle, cercle, triangle, carré. Vous me rappelez quelqu'un ? Non, pas du tout ! Êtes-vous dans les forces de l'ordre ? Je suis en effet assez proche de la police. Oh oui, on va dire assez proche de la police dans le sens. Non, je suis aussi assez proche des dans certains milieux que vous connaissez particulièrement, hein, voilà. Hop là, regardez-moi ce geste. Le tango, on l'assure. Oh putain, je me suis raté. Je me suis raté au tango. Putain, Tamura, il est en train d'enlever les ailes derrière. À peine discret, putain. À peine discret, putain. Je kiffe ce jeu. Là, juste pour ça, c'est kiffant. Tamura, il est derrière, il est en train d'enlever les ailes et tout le monde s'en bat les couilles. Oh putain, mais là, je suis pas concentré par contre. Carré x carré. Oh putain, triangle. Triangle x x carré. Cercle 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 x. Non. Quel est votre nom, étranger? Oh, pourquoi gâcher ce moment? Je ne comprends pas. Ah, un cours de Foxtrot. Où sont les ailes de Clockwork? Quoi? Mais qui donc? Les ailes de Clockwork. Cooper. Cooper. Ah putain, le geste. Ah, ça m'a tué. Ah non, mais regardez-moi meurer les ailes quoi. Il se barre comme ça en mode de tout va bien. Easy. Il a les ailes de Clockwork. Est-ce qu'on peut tuer Murray? Mais qu'est-ce qu'il fait putain? Mais oh, mais c'est une blague! Ah putain! Tu te dis qu'il pourrait y aller à gauche, tu vois, directement? Non, le mec il veut faire tout le tour. Ah non, mais grosse blague! Oh, il fait le tour comme as, frère. On y est presque. Ah, grosse blague. Plus que quelques mètres. Attends, au lieu de passer par le pont directement. Putain, le mec il a fait tout le tour. Bah ouais, c'était pas si compliqué la mission. En 20 minutes. Carmelita quitta sa couverture. Waouh. Waouh, ça c'est de la robe.
Rajan, dont la réputation prit un coup sévère, quittait son beau palais. Il partit en exil au fin fond de la jungle. De notre côté, nous fîmes une pause à Bollywood. Nous fîmes une pause à Bollywood. Mais Murray parvint à s'incruster sur le tournage d'une comédie musicale indienne. J'étais content de les voir détendus, mais Rajan courait toujours. Et je savais que cette histoire n'était pas finie. Oula. Bon, écoutez, on va commencer l'épisode 3, donc je vais couper et on fera un épisode spécial, épisode 3. Même si c'est le même gars, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, ça c'est vraiment pour ajouter de la durée de vie au jeu, hein, c'est tout. Hein. Parce que je t'avoue que... ouais. Pour ajouter de la durée de vie. Bon, allez, on se dit à plus pour l'épisode 3. Allez, bye bye.